to your favorite modern world. Evergrey, le groupe de métal que mon épouse préfère, vient de sortir une nouvelle galette longue de 51 minutes. Je dis longue et ce n'est pas par hasard, car avec 11 morceaux, Theory of Emptiness me paraît bien long. Alors pas de doute, c'est bien du Evergrey. On y retrouve tous les ingrédients habituels, dont la voix magnétique de Englund. Pourtant, je ne rentre pas dedans. J'irais même jusqu'à dire que, sorti du titre où figure Jonas Renske, je m'emmerde un peu. Encore une fois, ce n'est pas à l'aide d'une telle introduction que je vais exploser l'audimat, ni me faire de nouveaux copains. Mais bon, je persiste et je signe. Cet album m'emmerde. Déjà, il y a la production qui ne va pas. Le mixage manque carrément de mordant. L'abondance de claviers, de chœurs et la voix de Tom noient les guitares, la basse et la batterie dans un sirop de glucose. Même au casque, ou bien en poussant les décibels, ça reste du chamallow. Les morceaux les plus péchus, We Are the North et One Earth, échappent de justesse à la barbe à papa métal progressive, grâce à l'abondance de guitares mordantes et aux claviers qui restent en filigrane. C'est tout particulièrement vrai pour One Earth, qui est nettement plus dans la mouvance hard rock que metal. Bon, il fallait quand même oser ces chœurs épiques qui feront le bonheur des fans que l'on invitera à monter sur scène pour chanter avec Evergrey lors de la tournée. Je m'entraîne. La 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 la. Ouais, bon. Cold Dream fonctionne particulièrement bien du fait du contraste offert par le growl caverneux face au métal progressif sirupeux. Et puis, bon, voilà, j'aime bien Jonas. Et je sais, c'est carrément anecdotique, mais j'aime beaucoup le dernier morceau intitulé A Theory of Emptiness. Peut-être parce qu'il est nettement plus lisible avec juste un peu de clavier, du piano et une voix. Ceci dit, Theory of Emptiness est un album sympathique. Les titres fonctionnent et s'enchaînent à la perfection, et si la production avait été un peu plus ciselée, j'aurais sans doute mieux apprécié la richesse des sonorités des instruments. Les guitares de Henrik, quand elles s'imposent, sont particulièrement brillantes et quelques ouvertures comme celle de To Become Someone Else sont vraiment bien foutues. Bon, malgré tout, je ne vous recommande pas Theory of Emptiness. Tout simplement car je n'arrive pas à me convaincre moi-même qu'il s'agisse d'un bon album. C'est comme ça. C'est tout pour aujourd'hui. On ne peut pas gagner à tous les coups. À lundi prochain pour une nouvelle découverte. Comme toujours, vous pouvez cliquer sur le pouce, si vous ne m'en voulez pas trop. Et si vous voulez suivre les autres chroniques, abonnez-vous. Merci, bisous. Emptiness is something which I've noticed is a great source of beauty and happiness. In whichever way you look, there's nothing between you.